Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour encore un let's play. Alors la dernière fois, vous vous rappelez, on s'est échappé de du let's play Prison Break. On était en prison, on a défoncé tout le monde de la prison. Ah, c'était super kiffant. Et cette fois-ci, on va continuer. Alors il faut arrêter Irons qui a lancé apparemment des frappes de missiles où il y a eu le gaz, là, le Manticore qui tue tout le monde. Et il faut l'empêcher. Bon, de toute façon, c'est écrit là. Vous pouvez lire. Mission terminée. Capture avec l'aide de Gideon et patati patata. Hein, c'est vrai, pourquoi je vous raconte tout, hein? Vous lisez, puis voilà. C'est le connard. Alors, j'ai un point. C'est bien ça. Mais je mets ça dans quoi? Bon, bah, dans détection. Voilà, c'est bien. Bon, bah, voilà, on continue. Et une cinématique. Je vous laisse écouter. C'est dégueulasse, il faudra peut-être un peu laver un peu de ces quatre le camion. Allez, allez. Ah oui, quand même. Bon. On y est presque. 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 On y sera bientôt. N'arrête pas. Allez, Cormac. On finit le boulot. On est les seuls à pouvoir empêcher Irons de lancer Manticore. On est trois. Contre une armée entière, c'est du suicide. C'est vrai. Mais c'est ce que lui aurait fait. Ok. On va le défoncer, Sumi. Quelqu'un a des idées ? Je sais pas c'est quoi ton idée, mais je crois qu'elle va me plaire, Gédéon. Terminus, tout le monde descend. Nouvelle Bagdad, Irak. Pourquoi faut toujours finir en Irak? Minigun, micro-roquette, missile swarm. Ah oui. On n'y va pas dans la dentelle. Un tel plan ne pouvait venir que de Gédéon. Attaquer de front la forteresse d'Irons en utilisant les deux mechas trouvés sur la base. Des drones allaient nous y conduire. Ensuite, on serait seul. Oui. Sentinelle 2, on détecte toujours des niveaux de contamination élevés dans la ville. On ne pourra pas vous envoyer de renforts terrestres. Bien reçu, Kingpin. Des bateaux approchent de votre position. Je les vois. Feu à volonté sur les bateaux. Allume-les. Ok. Oh bah comme ça, j'ai tiré, ça passe pas là-bas. Voilà. D'autres bateaux en dessous. Merde, j'ai loupé, j'en ai loupé un. Ah ouais, mais j'en ai loupé un, je suis triste quoi. Ah merde, j'ai loupé. Bah, j'ai... bah d'accord, le missile n'a même pas touché. Vous êtes à 200 mètres du point de largage. Oh les beaux bateaux. Bateaux sur l'eau. Maintenant, détachez-vous. Ah non mais on va tomber dans l'eau. Ah ouais, c'est prévu. Ah d'accord. Ah ouais, ça peut même aller dans l'eau. Ah bah d'accord, c'est super. Ça fout les jetons alors. Kingpin, nous approchons du point de rendez-vous sur le pont. Négatif de 1. Aucun dispositif automatique n'est disponible actuellement. On a besoin de toutes nos ressources pour l'attaque. Désolé, vous allez devoir vous débrouiller. Si vous ne pensez pas pouvoir l'arrêter, ah non, c'est par là. Fichez le camp. Bien sûr. On peut sauter même dans l'eau. Tellement, on doit être tellement lourd, je sais même pas comment on peut faire. Allez, on fait le lapin. Lapin Goliath, le retour. Oh, c'est beau.
J'ai envie de mettre une petite chanson, mais... Oh, allez, je la mets. Sous l'océan, doudou, c'est bien, mais tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il vaut toute la journée, les ravagés, les prisonniers, pendant qu'on plonge, quand ils s'effondrent sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la pipe, les vaches sont d'un beau regard. Là où vit, c'est qu'à l'équipe. J'ai pas grand chose à dire là parce que c'est le silence et y'a rien qui se passe. Juste, je peux vous dire si vous voulez, la semaine dernière j'ai mangé une petite pizza, elle était bien bonne. Ça intéresse quelqu'un? Je donne des fins à des gens? Ah, je suis désolé là. On est à l'intérieur. Vous devriez être juste à côté de la plateforme de lancement. J'ai mis sauté. Allez, on est bientôt arrivé parce que c'est long là, c'est lent et long surtout. Ouais, on est sorti. Roquette parée. Canon principal paré. Contact. Personnel non autorisé dans le secteur 4. Ah, on est, vous êtes dans la merde les gars là. Oh putain, encore un chargement volant, le retour. Oh putain, j'ai cru que j'avais freeze pendant un moment. Ta gueule. Ta gueule! Un gros ta gueule! Dans le silo. À je crois qu'il y avait quelqu'un là-bas. On va lancer. Voilà! Oh, ça c'était magnifique ça! Bien au niveau, au milieu de tout le monde. Le missile est protégé. On a besoin d'un autre point d'accès. Vous allez devoir passer par les conduits d'évacuation et ressourcer. Ah bah je descends. J'ai vu quelqu'un, je veux lui faire une patate. Je vais lui dire un ta gueule! Mais ta gueule! Voilà! Voilà, ça va les calmer un peu. C'est par là, ouais. Hop. C'est bien parce qu'on peut même courir. Hop! Toi, t'aurais pas dû passer devant moi. Vous aussi, les gars. Allez, moi je défonce tout le monde, moi je suis Terminator, moi les gars. Toi t'es mort, normalement. Quand je dis t'es mort, t'es mort. Et voilà, voilà. Ah, non, il y en a encore un là. Oh, au revoir monsieur. Faut que je descende, je suis pareil. J'arrive. Tire le premier. Mais toi, ta gueule. Lancement d'orbite, moins 3 minutes. Rechargement de la roquette. Chargement. Merde. Voilà. Oh merde, j'ai divisé complètement à côté. Voilà, un tagoule. Putain, mais c'est... Bon, allez vous les gars, vos gueules. Ah bah non. Comment j'ai loupé à 5 cm de son visage. Bon. Oh, voilà. Grand mot les grands remèdes hein. Voilà c'est ça, défonce le bien Gideon. Alors je te suis, c'est par là, je peux arriver, c'est par là. Je ne pas casser la vitre. Oh. Tiens, c'est la voix d'un acteur il me semble, un doubleur français. Je vous transmets la position. C'est bon, on continue. Vérification des propulseurs de phase 3 terminée. Oh bah tiens. Je l'ai même pas fait exprès. Ouais, il me semble que c'est la voix française de la série Sherlock Holmes. S'il y en a qui connaissent, dites-le moi, mais il me semble que c'est lui. J'ai l'impression en tout cas. Bon, à gauche ou à droite? Attends, on va aller par là pour voir. Bon, y'a rien. On sait jamais, ça se trouve. Voilà la trappe. Mitchell, par ici.
Ah bah j'y vais. Je t'attends, hein. Hey, tu pourrais courir là, c'est bon, y'a personne. Allez, on prend le piston et on va pistonner. Ah, va putain carré. Au moins là, la touche blanche, je vois bien là, bien en face de nous là, ça c'est bien. Lancement denté, moins une minute. Oh ah. Pourquoi j'ai les jambes qui a fait en premier, c'est dégueulasse. Putain, comme on doit être trop lourd là-dedans en vrai. Et là, pour ralentir la descente, ok. Oh, ça c'est stylé. Oh, c'est marrant ça. Oh putain, mais faut attention, mais crasse pas. Oh non. Oh là là. Oh putain. Putain, on est encore en vie là-dedans. On devrait être cuit. Oh putain. On devrait être cuit en vrai, parce qu'on a quand même des trous pour les yeux, alors les flats ça s'insère partout. Continue. Ah bah je continue, mais si tu ne bougeais pas le passage. C'est moi qui vais le plus vite pour l'instant. Hein. Ah j'avais froid, mais là ça fait du bien, j'ai chaud. Ok, on balance tout ce qu'on a. On a détruit, ça y est, ça marchait. Ah ouais, on a même mis tout ce qu'on a, hein, même toute notre énergie, quoi. Il y en a d'autres, non? Je vais te faire sortir. Il n'y avait pas qu'un. Accroche-toi. Parce qu'il faut en lancer plusieurs sur plusieurs villes, c'est ça, non? Ou alors il se séparait quand il arrivait dans le ciel, je sais pas. Tu joues. Oh putain, vas-y, me balance pas. Attends, je vois presque rien là. Oh, juste une balle, c'est bon. Oh ouais. Oh, j'ai même pas fait exprès. Putain, ça marche pas. Ah merde. Bon, je vais viser l'autre. Bah non, je peux pas le toucher. Bah, je suis dessus quand même là, faut pas. Oh. On va attendre. Attends, vas-y, remonte ta tête. Oh, c'est l'autre qui monte sa tête maintenant. Ah voilà. Ah bah voilà. Voilà, mais Gideon, tu pourrais m'aider, toi t'as une mitraillette, moi j'ai juste un petit gun. Hein. Il faut qu'on continue. En plus je suis crevé. Oh, j'ai l'air lourd. Je sais pas ce que j'ai bouffé ce midi. Sentinelle 2-1, les défenses de la ville se désagrègent. Les troupes d'Atlas s'effondrent. Ah, petit joli cul. Il faut qu'on sache où on est le lancement. Bien sûr, Kingpin. Le lancement a été annulé, je répète, le lancement est annulé. Vous me recevez? Oh d'accord. Kingpin, répondez! Ilona, tu me reçois? C'est à qui le cul, c'est à moi? Merde, on est coincé. Faut qu'on bouge. Ils vont pas tarder à bombarder ce bâtiment. On est dans la merde, quoi. Je vais te poser. Il faut que tu essaies de marcher, Mitchell. Faut que je trouve la lumière. Bah trouve la lumière du Seigneur. Alléluia mon frère. Trouve la lumière. Bonjour Mitchell. Ah, bonjour. Ne faites pas un geste. Je vous renvoie l'appareil. Bon, je parie que les vitres sont blindées. Voilà. J'ai plus de munitions. Vous comptez trop sur ces machines. Eh ouais c'est vrai. La ville va tomber, c'est fini. Mon œuvre me survivra longtemps. Elle me dépasse déjà et vous n'êtes pas de taille à l'arrêter. C'est de bouger, mais... Vous me prenez pour un monstre. C'est parce que vous n'avez pas la détermination de faire le nécessaire. Le nécessaire?
en attaquant l'Amérique, en créant Manticore, en tuant plusieurs milliers de gens innocents. Je sauve le monde de lui-même. Quand plus personne ne s'opposera à Atlas, il n'y aura plus de guerre. Mais pour ça, il faut bien faire quelques sacrifices. Ouais. Mmh. Les pires raclures de l'histoire ont utilisé le même argument. Ouais, c'est pas faux. Ils savent pas pour le lancement. Ils vont bombarder tout le bâtiment et vous avec. J'aurais pu vous tuer dans la prison. Je le pourrais maintenant. Bah, tu m'as bien défoncé le bras quand même. Mais je ne veux pas. Je ne suis pas un monstre. Ah bon? Bah, tu m'apprends une chose avec moi. Parce que t'as un petit peu l'air là, vu ce que tu veux faire. Et tu m'as bien pété le bras aussi alors. Mitchell, essaie de retirer ton exo. Ça va être dur. Oh putain! Pourquoi lui et pas. Et toi, pourquoi t'essayes pas toi? Oh putain, le bras, comme il est bien amoché là, on voit bien. On dirait qu'il va se mettre. Ça marche pas! Comme par là, toi, le tien il marche pas. Laisse tomber! S'il se casse, on aura fait ça pour rien! Vas-y! Vite! Bon, ok, mais je te laisse là? Pour de vrai? J'ai pas envie de te laisser, moi! Empêche oh. Irons de filer! Oh, putain! Ok, 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 mais franchement, ça me fait mal de te laisser. Bon, en même temps, tu te la pètes, alors ça t'apprendra à te la péter aussi. Bon, il est parti par où aussi? Ah oui, mais. Vous êtes marrant, mais dites-moi où faut que j'aille! Je veux bien, mais. Bon, Empêche Irons de filer! Ah bah, il a dû monter l'escalier, oui, c'est logique en même temps, mais oui. Il y a des escaliers. Ensuite, il a dû aller où? Il a dû aller par là. Et ensuite, il a dû aller. Bah, voilà, je le vois là! Oh! Ah, quelle belle arme! Ah, bah voilà, vous pouvez pas l'utiliser pour le tuer? Ok. Quelqu'un peut m'expliquer les Zibazé? Parce que j'ai bien fait comme il m'a dit, hein. J'ai couru, j'ai fait rond. Empêche Irons de filer! Bon, ok. Dépêche, Mitchell! Oh, une main. Me fait coucou. Mais je l'ai fait là, rond. Et arrêtez, je le fais quoi. Faut que je fasse vraiment un moment précis du truc. J'ai eu le truc s'abaisser, ok, mais je suis pas sûr. On recommence. J'ai l'impression que ça s'arrête pas même pour admirer les belles épées là. On va faire ça au dernier moment. Ah d'accord, faut vraiment le faire. Hein. Je pouvais passer comme tout à l'heure, je suis désolé, je tiens à le dire. R3, j'ai fait. Oh allez, barre-toi, dégage. Sauvegarde, dégage. Attendez, mais j'ai fait la cinématique, je peux pas faire. C'est pas moi qui contrôle là, c'est la cinématique. Empêche Irons de filer. Ok. C'est vraiment pourri ce truc là. En plus, il court vite le gars quand même. Bon, on fait un moment, voilà. Oh, tu cours vite quand même, mon gars. Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais jeune? Mais allez, R3, vite, allez, vite, vite, vite. Voilà, allez, allez, voilà, dégage. On peut lui lancer le couteau. Allez, hop, carré. Bon, j'aurais pu faire R3, mais. Oh! Est-ce que je te lâche ou pas? Ça me tente bien. Aidez-moi! Je ne vous lâcherai pas! Bon, remontez tout de suite! On est obligé, on peut pas faire un choix, ça aurait été bizarre. Ça aurait été drôle de refaire un choix. Attendez! Soit vous me remontez, soit ce bâtiment nous emportera tous les deux! J'ai pas le choix, j'imagine. Mitchell, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mitchell, je vous ai donné ce bras! Mitchell, je vous ai donné une seconde chance! Je voudrais faire remonter, moi, mais. Ah ouais! Oh! Ah, Mitchell! Mon bras! Déjà que j'ai perdu le premier, faut qu'on en perde un autre! C'est dégueulasse. Et le couteau, oh, alors là ça m'attriste, même le couteau quoi. Thank you.
Je te tiens, Bruya. Tout va bien. Ah bah t'as réussi. T'aurais pu venir un petit peu à poil avant, ce serait bien. On savait que ça se terminerait comme ça un jour. On vient tous au monde les yeux fermés. Non. Et la plupart d'entre nous passent leur vie sans les ouvrir. Moi je les ai ouverts. Irons les avait ouverts. Il avait vu les injustices du monde et pensait pouvoir les régler. S'il avait la solution, il l'a emporté avec lui. Oh là là, pauvre couteau, pauvre bras. J'étais triste quand même de le perdre encore un autre bras. Ça me refait de mauvais souvenirs. Ah ça y est, c'est fini comme ça. Oh la fin, elle est pourrite. Oh bah attendez, j'ai fait 2 secondes là quand même, c'est pourri. Vous êtes pas d'accord avec moi quand même, ça se finit brutalement quoi. Le mec il tombe, on sait même pas ce qui va se passer après, les missiles et tout ça. Le mec en plus, le méchant, le grand méchant, il meurt comme ça, on le fout par... On essaie de l'arrêter, il tombe et ok. Ok. C'est... Franchement là je reste sur ma faim. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas vous, mais moi je suis resté sur ma faim. Bon ben voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Cette campagne était plutôt pas mal. En fait il y a des missions qui sont plus plaisantes d'autres. Comme ben, la mission on était en Antarctique et tout ça. Les missions avec le grappin c'était fun et tout ça. Mission d'infiltration aussi qui était super bien. Et encore, il y a des missions où ils sont bien, il y a des missions qui sont pourrites et voilà. Bon bah on finit sur ça, je suis un peu déçu sur la fin, je vous l'avoue. Bon, faites quand même le mode campagne parce que bon, enfin dites aux gens, si vous avez des personnes qui hésitent à faire le mode campagne, dites-leur de le faire quand même parce que bon, il était quand même assez intéressant. Hein. Il y avait des trucs un petit peu fun, mais bon, je suis un peu déçu quand même pour la fin. Ah là là là, je crois que ça va vraiment partir, je sais pas. Je peux même pas vous dire s'il y aura une suite quoi. C'est, enfin... Ouais, on peut peut-être imaginer qu'il y a une suite, puisque vu qu'il y a le bordel et tout ça, maintenant... Ouais, on verra bien. Bon, bah, je suis déçu. Je sais pas quoi d'autre dire, quoi d'autre. Et je sais pas s'il y a quelque chose à la fin. On va passer pour voir. Je regarde s'il n'y a pas une cinématique pour pas vous laisser. De toute façon, il y a une petite cinématique à la fin. D'accord, il y a juste ça, une image de ça. Qu'il fait un salut à son fils Will. Il fait une drôle de tête quand même. C'est tout. Bon bah voilà les gens. C'est fini. On a fini on a fini. C'est le dernier épisode. Putain, je sais pas quoi dire. Voilà. Bon, c'est fini, juste à dire ça, c'est fini, je sais, mais j'ai envie de continuer avec vous, c'est ça le truc, mais c'est fini. Bon bah j'espère que tous ces let's play vous ont plu, qu'il y en a qui vous ont fait rire, parce qu'il y a des moments drôles, des fails aussi, beaucoup de fails. Alors bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à faire partager la vidéo et tout ça, abonnez-vous aussi si vous voulez vous abonner tout simplement. Et j'espère, j'étais content que vous suivez mon aventure dans ce mode campagne du Call of Duty. Et je referai peut-être des let's play sur d'autres jeux. J'ai quelques idées de jeux en tête pour l'instant, mais bon, faut déjà que j'achète les jeux premièrement aussi. Ouais, aussi. Faudrait commencer par ça. Et puis voilà. Je sais, je suis long pour la fin, mais en fait, je suis un peu dégoûté. J'aurais voulu rester un peu plus longtemps avec vous en fait. Mais bon, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Allez, ciao, portez-vous bien, salut. Je suis quand même triste quand même. Allez, salut. Hit the shizu, 爆発して、愛。
Caught up in that.